Alors, je suis brancardier à l'hôpital d'Annecy depuis un peu plus de 3 années. Il n'y a pas spécialement de diplôme spécifique, hormis effectivement avoir un attrait pour le métier du médical, l'aide à la personne. Voilà. Alors déjà, il y a 3 équipes de brancardiers. Il va y avoir les brancardiers du bloc qui, eux, restent uniquement sur secteur. Ceux des urgences, pareil, qui vont aider les infirmières à faire les entrées, tout ça. Et puis après, il y a nous qui allons faire tout le reste de l'hôpital. On va aller dans la chambre du patient, le prendre en charge, voir avec l'infirmière si c'est en lit, en fauteuil, à pied. On va ensuite l'amener jusqu'à son examen, jusqu'à son intervention au bloc, éventuellement un changement de service avec ses affaires, ses bagages. Et puis ça peut être aussi du matériel, comme des bouteilles d'oxygène à ramener au bloc, des lits ou des brancards à ramener ou à emmener dans les chambres quand il y a plus ou pas assez de place. Alors j'ai été amené à postuler à l'hôpital parce que j'ai une personne de ma famille qui est infirmière au bloc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça arrive un moment où dans mon métier je ne m'y retrouvais plus trop, donc je me suis dit pourquoi pas changer. Et puis au bout de quelques mois, c'est un métier qui m'a vraiment plu. Le fait de pouvoir tout simplement aider les gens, d'avoir plein de cas, des journées totalement différentes chaque jour, et puis d'avoir de temps en temps un peu la reconnaissance aussi des patients, que je trouve vraiment intéressant et qui m'a plu et qui fait que je suis encore là aujourd'hui. C'était une dame qui revenait du bloc, qui venait d'accoucher. Et du coup, elle était relativement douloureuse. Donc, on essayait de faire le transport vite, sans la brusquer, bien sûr, en allant tranquille. Et pour l'anecdote, cette dame était revenue quelques jours après, jusqu'en régulation, pour m'amener un petit papier en me remerciant. Ou alors, ça peut être des petites mamies qui nous font les yeux doux en rigolant, ou alors des petites blagues avec les collègues, vu qu'on est beaucoup sur cet hôpital.